Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 36, si je me trompe pas, de Far Cry 5, et on va aller défoncer le petit Jacob. Donc je sais pas s'il faut y aller discrètement, on va voir ça. Domaine de Joseph. Est-ce qu'il a une garde rapprochée ou pas? Ce serait un peu bête qu'il n'en ait pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait... Ouais, personne. Oh là là, c'est la fin de l'histoire. Tiens, le mec qui me voit sauter, je suis trop chaud. Je suis entraîné, mon gars. C'est un 1-1 qu'il veut faire? L'agneau ouvrit le cinquième sceau. Et j'aperçus sous l'autel les âmes de ces martyrs. Tués à cause de la parole de Dieu. Aïe. Je suis défoncé le coude. Tu as fait des miens. Des martyrs. Et je suis prêt à faire la même chose au tien. Mais là, je comprends pas pourquoi je le bute pas en fait. What? Mais Dieu okay. nous observe et il nous jugera en fonction des choix qui sont les nôtres. Je t'ai dit que nous vivions dans un monde au bord du précipice où tous les affronts va y avoir un choix à faire. Tous nos choix révèlent nos péchés. Et où nous ont-ils menés? Où t'ont-ils mené, toi? Jusqu'à toi. Tes amis ont été enlevés et torturés. Et c'est ta faute. Et pourquoi c'est ma faute? C'est pas moi qui les ai fait torturer, mon gars. Les personnes ont été tuées et c'est ta faute. Le monde est en feu et c'est ta faute. Ah! Ça en valait le coup? Ouais. Vraiment? Ouais. Quand te rendras-tu compte que tous les problèmes ne se résolvent pas avec une balle? Bah on peut essayer avec ton crâne pour commencer. Et puis après je te dirai quand si ça marche. Tu es arrivé ici. Je t'ai proposé de faire demi-tour. Et tu as refusé. Dieu m'en est témoin, je te réitère mon offre. Mort de rire. Une dernière fois. Mort de rire! Toi, tu t'en sors pas en vie, hein. Dans l'histoire, ça se passe pas comme ça. Tes armes. Emmène tes amis avec toi. Laisse-moi mon troupeau. Et repars en paix. Hors de question. Partir en paix? Non, mais vous êtes dingue. On est bien d'accord pour Kantas. On n'aurait jamais dû venir ici, de toute façon. Tu sais ce que t'as à faire, petit. Ouais, on est d'accord, les gars. Force. N'oublie pas. Un petit coup de couteau bien placé. Dieu te regarde. Faudrait-il seulement que je croie en Dieu, frérot? Mais ce n'est pas le cas. Malheureusement pour toi. Chaque affront. Chaque injustice et chaque choix révèle notre péché. John se trompait. Ton péché n'est pas la colère. Si seulement j'en avais qu'un. Tu préfères voir le monde souffrir et brûler plutôt que de ravaler ton orgueil. Quand l'agneau ouvrit le sixième sceau, alors la terre se mit à trembler. Le soleil devint noir et la lune rouge. Oh, oh mon Dieu! Il contrôle la météo. Ils comprennent enfin. On barrique mes potes. Ah non, je vais les buter. Ranimer. Ah. Oula, 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 oula.
plus qu'un. Ah mais t'es relou toi un peu là. Plus de plaisir à vous voir chuter. Mais stylé. Voilà, terminé. Quoi? Je reste reste ma pote là. Mais pourquoi? Mais t'es conne. Je veux bien ouvrir les yeux. Désolé, officier, je ne me contrôle pas. Oh merde. Ah ouais mais non. Bon alors c'est un c'est très très what the fuck là ce qui se passe. Ouais. Ouais ouais ouais. Mais putain de ta mère. Non je vais crever. Mais c'est what the fuck là, qu'est-ce qui se passe? Ah! Donc j'avais raison, j'aurais bien dû prendre un fusil à pompe. J'incarne la vérité. Bon allez, faut que je les réanime, sinon on va pas s'en sortir. Hein. Ensemble, nous ne sommes plus qu'un. De toute façon, j'ai mes potes qui me réaniment, donc si je meurs à la limite, c'est pas grave, quoi. C'est totalement what the fuck, hein, sans déconner aussi. Les mains d'un groupe sont plus fortes que celles d'un individu. La bande minable ne peut rien contre la tempête. Merde. Tout ce que tu as gagné. Viens Pocahontas, viens. Ça n'aura servi à rien. Recule, démon. Ah, toujours plus. Les mains d'un groupe sont plus fortes que celles d'un individu. Recule, démon. Mais... Putain de bordel de merde. Oh, tu parles d'un mauvais trip. Ah c'est fun hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Je vais crever. J'incarne la vérité. On s'en bat, Joseph C. Réanime-moi. Merci. J'incarne la vérité. Mais c'est dingue ça, j'appuie, ma souris elle est pas cassée que je sache. Hein. Que je sache. Donc je me fais réanimer ou quoi là? Oui c'est bon. Non, c'est pas bon. Ça c'est Joseph. Oh c'est chiant. Venez me réanimer! T'as ils sont neuf! C'est dingue ça! Bon bah je crois que c'est mort hein. Mais j'ai pas les armes pour là, c'est chiant. J'aurais dû avoir une sulfateuse là pour cette mission, ça aurait été grave simple. Pour cette mission ça aurait été grave simple. J'espère que je recommence pas du début parce que ça va être relou. Les amis comprennent.
gros fils de pute. Godness. Dégage. Je prendrai encore plus de plaisir à vous voir chuter. C'était dingue. Mais je crois que c'est pas fini. Reste bien sur tes gardes. Je t'ai laissé plusieurs chances, mais tu les as refusées. C'est toi qui as provoqué les... Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début en fait. Ça aurait été bien plus simple. Oh la barre! Bon, désolé pour ça. Non mais toi t'es chiant là, putain. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Oh my god! Désolé officier, je ne me contrôle pas. Est-ce que c'est normal que je rage là ou pas? Franchement, c'est nul comme fin, ça a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui. En plus ça bug, mais putain. Qu'est-ce que tu veux toi? Putain, si j'avais su, je les aurais pas sauvés tous mes potes là. Hein. Elle, je sais même pas. Ah si, si je sais qui elle est. Allez, le dernier, c'est bon. Est-ce que tu peux mourir, s'il te plaît? Wesh. Non mais arrête un peu là, t'es relou. Pardonne-leur, père. Je peux te dire que ça me manque Far Cry 2 et Far Cry 3. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Putain, ça manque, hein. Là, c'est n'importe quoi. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, le silence se fit dans le ciel. Et les sept anges debout devant Dieu sur cette trompette. T'es ça jamais, hein. Il y eut du tonnerre. Mettez-lui un baillon, bordel. La foudre. Joseph Seed, je vous arrête. Merde, quoi. Et j'entendis une voix forte venant du temple dire aux sept anges, allez votre chemin. Un baillon, vite. Les coupes de la colère de Dieu. Ah bon? Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah une nuque, bah parfait! C'est fini, mon enfant. Parfait, on est bien. Amen. Oh mon Dieu. Sing great. How sweet. Ah! RIP! Le camion! Vite! Mais là on est mort là! Bougez-vous! Hudson, va à l'arrière!
Bon, ça devait pas être une nuke, parce que si c'était une nuke, on serait dead dans un rayon de 35 km. Ça dépend de la bombe. Ils lui ont toujours pas mis de baillon ou de droite pour qu'il la ferme, tu vois. On va mourir. Oh là, oh là. What the heck? Et les autres potes, ils sont morts en fait. Je fais ça parce qu'en fait là on s'ennuie un petit peu quoi. Que c'était scripté. Ça, c'est ce qui se serait passé si Kim Jong-un et Trump ils s'étaient pas mis d'accord. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que les politiciens se sont tus. Ça signifie que les entreprises ont été démantelées. Ça signifie que le monde a été purifié par le feu divin. Mais par-dessus tout, ça signifie que j'avais raison. L'effondrement a eu lieu. Le monde tel qu'il était a disparu. J'ai tant attendu. J'ai attendu si longtemps que la prophétie que Dieu m'a murmurée à l'oreille s'accomplisse enfin. J'ai préparé ma famille pour cet instant. Et toi, tu me l'as enlevé. Je devrais te tuer pour ce que tu as fait. Tu devrais, ouais. Parce qu'à la moindre opportunité, moi, c'est pas des menottes que je te mets. Mais tu es tout ce qu'il me reste. Tu es ma seule famille. Et quand ce monde sera enfin prêt à renaître, nous avancerons dans la lumière.
Je suis ton père. Et tu es mon enfant. Et ensemble, nous marcherons vers l'Éden. Ok. Oula. Mais regarde pas comme ça, là. Enlève ta main de ta bite. Je suis censé faire quoi, là? Je suis censé faire un truc? Non? Ah, ok. C'est un peu le malaise, ça. Hein, ah, du coup, c'est fini. Donc on ne le tue pas. Moi, très bien. Très bien, Jean-Pierre. Bon, bah... j'espère... Eh, en vrai, j'espère que je peux revenir sur la carte, quand même, là, terminer mes trucs, parce que, imagine... Imagine, je peux pas terminer toutes les quêtes, m'amuser et tout. Oh, ce serait chaud, quand même. Ce serait chaud, hein, si c'est pas possible. On va voir. Ah, non, ça a l'air d'être possible. Hein. Le monde est redevenu... correct. What the fuck? Ah, on est à l'île de Dutch. J'ai mes sous. Là, on peut voir que... Attends, comment j'ai fait pour voir ça? Comment j'ai fait pour mettre... Bref, tout le monde est mort, de toute façon. C'était même marqué que... Que Joseph était mort, mais bon, c'est pas vrai. Bon, bah du coup, voilà, on pourra terminer les quêtes secondaires, qui sont sans doute beaucoup plus intéressantes que les quêtes principales qu'il y a eu. Bon, ça, c'est insupportable. Ah! Ça, c'est insupportable comme bruit. Donc, on va vite se barrer d'ici. Ça respawn, je sais pas pourquoi. Enfin bon, vous me direz ce que vous avez pensé de l'histoire principale, d'accord? Moi, vous connaissez mon avis, de toute façon, hein, c'était bien de la merde, jusqu'à la fin d'ailleurs. Hop, et ça, on n'en parle plus. C'était bien de la merde jusqu'à la fin, mais bon, mis à part ça, sinon le jeu reste agréable, hein. Franchement ça, regarde, ça c'est kiffant. Regarde, tu peux sortir ta petite canne à pêche, tu peux te faire des petits plaisirs, bon. Ça, c'est super cool, hein. Franchement, y a rien à dire, tu vois. Mais bon. C'est dommage qu'un jeu solo, encore une fois, c'est dommage qu'un jeu solo, bah... ait une histoire de merde, tout simplement. Mais bon, que dire. Bon, je vais terminer de pêcher ce poisson. Et on arrêtera l'épisode là. Ça se trouve, c'est un requin, frérot. Allez, c'est bientôt fini. Hop! Une truite arc-en-ciel! Voilà. Quoi? Ah, c'est le perso qui est content. Ok, my bad. Bon. Putain. Ça fait bizarre d'avoir terminé le jeu, quand même. Même si c'était de la merde. Donc voilà. Franchement, l'univers 20 sur 20, les quêtes secondaires, bah, elles sont ce qu'elles sont, elles sont plutôt cool. Mais au niveau de l'histoire principale, que dire? Quelle note je pourrais mettre à cette histoire en toute honnêteté? Un 6 sur 20. Pas plus, hein. Un 6 sur 20, genre t'as les 6 points, tu vois? Quand tu fais un boss, quand tu fais le premier boss, peu importe que ce soit Jacob, ou alors John ou Face, peu importe, tu vois, un de ces persos-là, tu le fais, et ça fait 6 points pour l'histoire. Malheureusement, l'histoire, elle gagne pas plus de points parce que la fin est pourrie, genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous mes alliés deviennent tous mes ennemis? Pourquoi je dois les relever, je les bute, je les relève, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Pourquoi je bute pas Jacob? Putain, Joseph, quand j'en ai l'occasion.
Donc voilà, les 6 points, c'est uniquement pour le premier boss, la première partie de l'histoire en fait, et qui se répétera, en boucle jusqu'à la fin du jeu. Voilà. Donc ce sera tout pour cet épisode. Donc je vous promets de beaucoup m'enrager parce que, enfin, pour les épisodes prochains, je vous promets de beaucoup m'enrager parce que tout simplement, on n'aura plus cet aspect histoire principale tout simplement. Donc on pourra vraiment s'amuser, vraiment avoir du fun. Donc voilà. Merci d'avoir regardé l'histoire principale et puis de toute façon, on n'a pas fini le jeu. Donc voilà. Salut et à la prochaine. Ça fait un peu bizarre comme outro.